Avec l'autre idiot fin sou qui arrivait en travers du canal, j'ai dû donner toute la puissance. Je suis presque collé contre la berge. Oh, c'est le remous de l'hélice qui a dû le faire sortir de la vase. J'allais jeter mes os sales. Je l'ai vu monter du fond de l'eau, le visage tourné vers moi, comme s'il me regardait. Et puis redescendre tout doucement comme un fantôme. Trois en un mois. C'est exact, commissaire. Et comme toujours, le petit trou derrière l'oreille. Et ensuite, on a trépané. C'est encore le voleur de cerveau. François, demandez François. Le voleur de cerveau frappe encore. Nouveau crime du voleur de cerveau. François, demandez François. François, monsieur. Et 50 qui font 100, voici. Merci beaucoup, madame Lepied. Merci beaucoup, mademoiselle Hermance. Il n'y a vraiment que chez vous qu'on trouve encore du vrai coton mercerisé, comme autrefois. Mais dites-moi, vous n'ouvrez pas souvent votre boutique? Ça fait un bout de temps qu'on ne vous avait pas vu. J'étais partie chez mes neveux. Dieu merci, je n'ai pas besoin de travailler pour vivre. Et je n'ouvre cette boutique pour m'amuser, me distraire. À mon âge, le voleur de cerveau frappe encore. Demandez, François. Tenez. Merci, madame. Tous ces crimes, tout de même. Oh, ça fait de la lecture. Je vous raccompagne. Au revoir, mademoiselle Hermance. Au revoir, madame Lepied. Bonjour, madame. On vient pour la vérification de votre police d'assurance. Ah oui. Entrez, messieurs. La porte du fond. Asseyez-vous. Et toi, retire ça. Jeanne du Calypso nous a dit que vous vouliez nous voir.
J'ai pris des renseignements sur chacun de vous deux, mes mignons. Vous, la futaille, votre vrai nom, c'est Gaston Rebois. 3 condamnations pour cambriolage. Mais vous, le sacristain, vous appelez Jules Bertin. 6 ans pour attaque à main armée. 2 pour vol avec effraction. Bon, je vous jure que... Et vous vous en êtes tiré à bon compte parce que vous savez négocier avec la police. Comme on dit dans votre milieu, donnant, donnant. Hein? Et ce n'est pas tout. Si on jetait un coup d'œil sur vos dossiers officieux, cette bijouterie cambriolée, le cadran d'or, à Tours, c'était bien vous deux. Et le casse au Batignol, le 15 mai, c'est pas si vieux, au cours duquel vous avez tué le concierge. Mais il n'y a pas de preuve! C'est un accident. Tout ceci pour vous dire qu'en ce qui vous concerne, je suis au courant de tout. Donc, que vous dépendez de moi. J'ai du travail pour vous. Écoutez, mademoiselle, j'aime mieux vous le dire tout de suite. On est plutôt fauchés, la futaille et moi. Mais si vous voulez nous faire crédit, on vous rembourserait après le casse. Vous nous donnez toutes les instructions maintenant. Je n'ai jamais parlé de casse, mais de travail. 500 tickets de fixe par mois, en liquide. Feuille de paye. Tout ce qu'il y a de régulier. Tout ce qu'il faut pour que la police vous foute la paix. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Tout ce qu'on vous demandera. Une minute, on n'est pas des tueurs. On ne vous demandera pas ça. Alors, 500 tickets? Ben, faut voir, oui. Pour qui on travaille? C'est tout de même pas pour cet homme. Celui dont on ne connaît pas le visage. Si c'est pour celui-là, on ne peut pas refuser. Sinon. Alors, c'est dit. C'est la première à droite. Vous trouverez un bistrot qui s'appelle le Clairon de Sud Ibrahim. Allez-y, à 4 heures. Vous toucherez votre première paye et vous y attendrez les instructions. D'accord. C'est ça. Cette fois, je crois que je tiens la solution. Thank you.
Le journal vient d'arriver. Ils ont retrouvé le cadavre dans le canal. C'est le troisième qu'ils trouvent de ceux que nous avons jetés au dehors. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? La cave est pleine. Et le jardin, c'est trop dangereux, même en pleine nuit. Et qu'est-ce que ça peut me faire quand j'aurai réussi dans un mois, dans une semaine, peut-être demain? Alors j'aurai le monde entier à mes pieds. Les gouvernements se battront pour que je mette ma science à leur service. Alors, que peut bien me faire leur petite police minable et toute la presse? Ils ne s'en doutent pas, mais c'est grâce à eux, grâce à leurs torchons de journaux, que j'aboutirai. Envoyez 6000 francs, deux enveloppes de 3000 chacune, au point numéro 2. Bien, monsieur. Que dit la presse? On a retrouvé un troisième cadavre. Je suis déjà au courant. Pas de nouvelles de Bogota? Si, monsieur. Notre correspondant a pu se procurer le dossier de la police colombienne. Comme vous le pensiez, il s'agit certainement du même homme. L'affaire est complètement passée inaperçue en Europe. Alberto Dutreil. Père d'origine française, mère colombienne, docteur en médecine. L'imbécile recrutait ses victimes par les petites annonces. Précisément. Et selon vos instructions, nous répondons à toutes celles présentant un caractère suspect. Sans grand résultat. Toutefois, il y a celle-ci, parue avant-hier. L'adresse était poste restante. Nous avons écrit, et ce matin même, nous avons reçu cette réponse. Personne seule, sans attache familiale ou autre. Il y a un numéro de téléphone. Merci. Voulez-vous me rendre un service, ma chère? Appelez ce numéro. Une voix de femme, cela n'inquiète pas. Et soyez timide. Allô? Le 551-03-25? Je vous appelle au sujet de votre annonce. Je commence à en avoir marre. Il faut que j'aille virer ma feignasse de son plume. Si j'y vais pas, elle va y rester toute la journée. J'aime pas ça.
Je vais voir. Bon alors, qu'est-ce qu'on fout? Tu peux te barrer si tu veux. J'aime pas ça. Pas du tout. Il y a toujours le compte, toujours, dans tous les cas. Tu permets quand même, oui. Prends un quart ici demain soir à 9h précise pour recevoir les ordres. Le bistrot sera fermé, vous passerez par la cour. D'accord. Allez, viens. Deux petites côtes. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? Un poil de chien et loup piqué dans l'étoffe du veston. C'est un chien à peu près du même âge et du même pelage. C'est le même chien que celui dont on a retrouvé les poils sur la première victime. Celle que les gosses ont découvert en rien. Mmh. On a cherché, vous le savez, ça n'a rien donné. On a vu des centaines de maisons avec des chiens loups. Et j'ai autre chose. Vous vous souvenez du second cadavre, celui qu'on a trouvé dans les bois à fausse repose. On avait fait sur lui une moisson superbe de débris végétaux. Évidemment, un cadavre trouvé en pleine forêt. On a identifié des fragments de feuilles de cyprès. On a trouvé trois cyprès à moins de 200 mètres de l'endroit où a été trouvé le type. Et quant à vos fragments, il y en avait dans tous les coins. Oui, mais ça, ce fragment qu'on a ici, était dans le revers du pantalon. Ah, on a eu de la chance. Avec la flotte, il aurait pu être entraîné. On a fait les analyses, aucun résultat. On l'a donc soumis au professeur Landier. Ce que vous avez sous les yeux, monsieur le commissaire, c'est un petit fragment de l'écaille d'un fruit du cyprès de Sibérie. C'est une nouvelle espèce. Créée, je dirais même fabriquée de toutes pièces, ça remonte une vingtaine d'années. Par les agronomes soviétiques de l'école de Michurin, grâce à une série de greffes et d'hybridations. Si sa feuille, du point de vue morphologique et anatomique, diffère peu des autres espèces, le fruit, lui, par contre, et plus particulièrement ses écailles... Je vous cherchais, patron. Je suis allé faire un tour à la morgue. C'est confirmé. C'est bien la même opération, pas de doute. Une seconde. Continuez, professeur. J'allais vous préciser que ce fragment a une forme tellement caractéristique qu'il nous est impossible de faire une erreur, c'est une écaille du cyprès de Sibérie, Cupressus siberiamensis voronikovi. Et la particularité de cet arbre, c'est d'être d'une extrême rareté dans nos régions. À peine plus de peut-être une trentaine ou une quarantaine de spécimens à Paris et dans ses environs. Oui, il y en a... Je crois en guerre beaucoup plus. Vous avez compris? Demain, on commence à l'aube. Vous me ratissez toute la région parisienne. Vous allez me fouiller tous les coins. On procédera secteur par secteur. Et tout de même, ne perdez pas de vue les chiens.
C'est bien mon intention. Et c'est comment, si près de Sibérie? Ici. Le docteur va vous recevoir tout de suite. Permettez-moi de me présenter, mademoiselle, docteur Dutour. Vous êtes mademoiselle Bernardet? Oui, docteur. S'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle, pour vous avoir convoqué à une heure aussi tardive, mais j'avais commencé une expérience que je ne pouvais interrompre, sous peine d'avoir tout un cycle à remettre en route. Je comprends, docteur. Comme je vous l'ai dit au téléphone, je cherche une personne libre de toute entrave, car demain matin, je commence une série ininterrompue d'expériences délicates. Elles ne peuvent se dérouler que dans le plus grand secret. Elles dureront plusieurs mois. Votre travail sera un peu plus simple. Vous vous occuperez de la surveillance d'un certain appareillage. Mais docteur, je ne saurais pas. Oh, rassurez-vous, je vous montrerai, mademoiselle. Références sont excellentes, mademoiselle. Considérez-vous comme engagée. Merci, docteur. Et puisque vous êtes libre immédiatement, je vais vous montrer votre chambre. Ah, je pense à une chose et j'allais oublier. Si vous avez quelqu'un à prévenir. Non. Plus personne ne se soucie de moi. Je suis seule au monde, je vous l'ai dit. Pauvre petite. Allons, il faut garder le moral. Vous et moi, nous allons former une très bonne équipe, j'en suis persuadé. Si vous voulez me suivre. Cette chambre n'est pas très confortable, mais c'est tout ce que j'ai. Je vous ai fait préparer une infusion. Mais il ne fallait pas. Si, si, j'y tiens. Voilà. Du sucre. Prenez ceci. Bien.
Cela vous aidera à passer une bonne nuit, vous verrez. On dort toujours mal lorsqu'on change de lit. Et je tiens beaucoup à ce que vous soyez en pleine forme à votre réveil demain matin. Nous aurons beaucoup à faire. Allons, prenez ça. Excellent. Excellent. Je suis certain que vous allez passer une bonne nuit. Vous m'excuserez, mais je dors déjà. Mmh. Merci, merci beaucoup. Bonne nuit. Dormez bien. Que se passe-t-il avec les chiens? Ils sont devenus enragés? Je ne sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui les excite ce soir. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Va voir ce que c'est. Et arrange-toi pour les faire taire. Il n'y a personne. Très bien. Alors maintenant, il est temps de s'y mettre. Oh, ces chiens! Ils ont juré de me rendre fou! Quelqu'un a marché sur le gravier. Oui. Et ce ne sont pas les chiens. Écoutez. Et ça continue. Tu as raison.
Va voir. Les chiens sont morts. Je les ai tués, docteur. Ayez l'obligeance de me détacher, docteur. Obéissez. Les chiens sont morts. Un bon poison, une sarbacane, des fléchettes. C'est simple, mais efficace. Quant à vos somnifères, je les ai recrachés dans ma main et sous vos yeux. Et vous n'y avez vu que du feu. Mais les portes... Allons, docteur. Vous n'imaginez pas que de simples serrures arrêtent des gens de notre sorte. La voie est libre. Allez-y. Bien, monsieur. Docteur Dutreuil. Je ne suis pas Dutreuil. Je m'appelle Dutour. N'essayez pas de me prendre pour un idiot. Je sais parfaitement qui vous êtes. C'est fini, Dutreuil. Dutreuil est mort. Il est resté carbonisé, brûlé vif, réduit en cendres, dans l'incendie de l'asile de San Fernando à Bogota, en Colombie. Taisez-vous! Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis en possession de votre dossier. Il m'a été communiqué par la police colombienne. Par ailleurs, je viens d'explorer rapidement votre cave. Ce que j'y ai découvert ne m'aurait laissé aucun doute, si j'en avais eu. Peu m'importe comment vous avez pu vous échapper, ni comment vous avez échoué ici. Vos travaux seuls m'intéressent. Vous allez pouvoir les poursuivre. En toute sécurité, vous aurez tout le matériel nécessaire et tous les sujets dont vous aurez besoin, sans avoir à courir le risque de les recruter par l'intermédiaire des petites annonces ou de les pourchasser dans les terrains vagues. Ou vous acceptez ma proposition, ou alors... Ou alors... Quoi? Je vous tue. Mais... Qui êtes-vous donc? Ceci, mon cher docteur, ne vous regarde pas. Je vous emmène, docteur. Je suis prête. Pauvre Boris. Soyez sans crainte, docteur. Je vais faire disparaître toutes les traces, y compris ce qu'il y a dans la cave.
à la voiture. Vous montez devant, docteur. Au travail, tout le monde. Découvrir Paris ainsi, à cette hauteur. Allô, 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 allô. Où en est le professeur? Il s'extasie sur le paysage. La visibilité est bonne? Elle est excellente. Pour le moment, nous sommes en train de survoler les environs de Sartrouville. D'accord. Vous notez, nous prenons la direction de Maison Lafitte. Maison Lafitte. Allez-y. Bien, monsieur. Vous croyez que ça va marcher, commissaire? C'est la seule piste que nous ayons. Tout ce que l'on sait, c'est que les victimes ont été séquestrées dans un endroit où il y a des chiens. Et sûrement assez près de Sibérie. Si un tel endroit existe, il faut le trouver. Deuxième passage et donnez-moi votre position exacte. Position nom d'un chien. Vermeil-les-Ménil, une très grande propriété dans l'avenue principale. Un portail en fer. Vermeil-les-Ménil. Bien, commissaire.
Eh bien, docteur, êtes-vous satisfait? Plus que je ne saurais le dire, cher monsieur. Avec cela, je suis certain de réussir. Votre nom sera lié au mien dans les actions de grâce et la vénération des futures générations. Mes voeux seront comblés lorsqu'enfin l'ordre et la paix régneront sur le monde entier. Ne vous y trompez pas, docteur. Je ne suis pas un mécène. Je prends d'énormes risques. Il me faut un succès rapide. Sinon, je me débarrasserai de vous. Je suis au bord de la réussite. Attendez. Attendez, vous verrez la tête que feront mes collègues de la faculté. Oui, tous ceux qui m'ont chassé, ceux qui m'ont fait emprisonner, qui demandaient ma tête, ils se moquaient de moi. Ils verront bien que je suis le seul à réussir. Et dire que mon pauvre Boris m'a quitté. Il ne sera pas là pour partager mon triomphe. Puisque vous l'avez tué cette nuit. Oh, je ne vous en veux pas de l'avoir tué. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette découverte capitale. Je le vois encore. Quand on l'a amené à ma clinique après un accident de voiture. Une simple fêlure de l'occipital. Mais il présentait certains symptômes que j'ai appelés plus tard le syndrome de Dutreuil. L'élément dominant est un état permanent d'hypnose, avec réceptivité totale à la suggestion. Dès lors, comment reproduire indéfiniment ce que le pur hasard n'avait fait qu'une seule fois? Il devait y avoir une lésion d'un important centre que l'on ne connaissait pas, siège de la volonté et du libre arbitre. Et j'ai donné mon nom à ce centre inconnu. Je l'ai appelé le centre de Dutreuil. Ils se sont moqués de moi. Et oui, et Boris, ils me l'ont enlevé des mains. Ils avaient vu que j'étais sur le point de réussir. Mais il me fallait d'autres sujets, d'autres patients. Alors, ils ont osé me faire enfermer avec les fous à l'asile où ils avaient déjà mis Boris. On m'espionnait. Oui. Toujours à m'espionner, mais pas lui. Oh, c'est moi qui ai tout conçu. Et c'est Boris qui a volé les clés. Ensuite, il a mis le feu. Et vous l'avez tué. Je n'ai plus d'assistant. Je ne vois pas ce que je vais faire sans lui. Il m'aidait à trouver des sujets. Vous allez en avoir autant que vous en voudrez. Quand? En ce moment même, mes hommes travaillent pour vous. Le voleur! Voleur les Portugais!